ton enfant, ça fait 4 ans qu'elle a eu le bac. 4 ans. Tu connais d'abord comment Ngoyekele est. Ton enfant est exposé à n'importe qui en Ngoyekele, tu sais ça. Les gens qui ont mis les faux trucs dans sa tête, les faux dragueurs, elle va sortir avec telle personne, on va la menacer, après elle va sortir avec telle personne, après elle va sortir avec telle personne. N'est-ce pas? Tu n'as jamais sorti avec personne en Ngoyekele, non? En 4 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Même si c'est Siantou, tu n'as jamais sorti avec personne là-bas, non? N'est-ce pas? Tu es vierge, non? Ta fille est vierge. Là, voilà qui parle avec nous, non? Ton gars est où? Une belle fille comme ça là, tu as quel âge? 20 ans. 20 ans. Elle n'a pas de gars? J'ai quelqu'un avec qui je cause. Elle refuse seulement. J'ai quelqu'un avec qui je cause. Si elle voulait avoir, elle devait avoir. Mais on ne sort pas ensemble. Tu ne demandes pas à ta fille si elle couche avec un homme, pourquoi? Elle doit coucher avec moi. Je te demande, non? Je lui demande, tu dis que je te demande. Je lui demande. Non, moi je l'ai conseillé. Oui. Je après, tu as laissé, non? Oui. Tu vas travailler sur rien. Est-ce que tu sais que même l'homme que ta fille rencontre dans la vie, ce n'est pas le hasard? Vous connaissez ça? Ta fille peut tomber sur un homme comme ça, là. Qu'il a derrière les papiers d'un bain. Il a derrière l'argent. Il dit que c'est que toi qui veux épouser. Et bien, il apprend seulement au Cameroun comme ça, là. Il part avec elle. Elle vit son mariage sans problème. Il ne faut rien. Ils ne font rien. Tu travailles sur ta fille, pourquoi? Tu me suis depuis combien de temps? 3 mois. Tu es sûr? Seulement 3 mois? Oui, j'étais ici. Quand j'ai suivi la même semaine, j'étais dit non. Quand elle avait suivi maman. Je suis arrivée. Moi, je vous dis seulement que ne dormez pas sur vos enfants. Ne dormez pas sur vos enfants. Et je ne suis pas revenue parce que papa était malade. Et moi-même, je suis malade. Mm-hmm. Sinon, je suis revenue ici. Il y a les gens qui ont décidé que. Parce que c'est que si ta fille. Imagine ta fille arrive en Europe pour jouer un mari avec un millionnaire. Là-bas en bain. Va, ça veut dire que ta situation va changer. Tu auras la voiture, tu auras la maison, tu auras ceci. Tu crois que c'est tout le monde qui veut ça? Hein? Tu te laves avec le sel. Même les sels que j'avais touché, tu t'es bien là-bas. C'est ça qui avait débloqué parce que l'année, quand l'année a commencé, j'avais trop de difficultés. Après ça, ils sont cassés. Depuis 3 mois, c'est maintenant que tu amènes ta fille pour la laver, alors que ses papiers sont débloqués depuis. C'est tout, ils sont bloqués depuis 3 ans. Toi aussi, la mère. Hein? Je veux que vous compreniez que ça ne se passe pas seul. C'est un peu comme si tu laisses l'enfant que marche. Il n'y a pas de route qui est tracée. Elle va trouver la route comment? Les prières que je vous donne tout le temps, que parler sur vos enfants. Mon enfant ne va pas rencontrer n'importe qui. Mon enfant va tomber amoureuse de n'importe qui. Quand la personne de ma fille va, ou de mon gars, va le, de mon enfant, va le rencontrer. La personne dit que c'est toi. Ils vont se reconnaître une fois. La personne ramène l'argent. Tu peux ajouter ça. Ton gars a l'argent. Le gars avec qui tu causes là, il a l'argent. Eh. Et ça, quelqu'un parle mes choses, vous riez, non? Hein? Pourquoi il n'a pas encore concrétisé? Ah, je connais. Tu ne connais pas? 2 ans, je connais pas. 2 ans? Il a parlé avec moi. Il est toujours derrière. Ouais, Seigneur. Seigneur. Tu n'as même vu quelqu'un dans ton quartier que quand elle reçoit ses enfants, on les prend seulement, ça y va t'en baigner. Tu n'as pas encore vu dans ton quartier. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Vous écoutez que quoi dans mes vidéos? Non, je l'ai écouté maintenant, non, la reine. Je connais maintenant, non. Ah. Depuis 3 mois, il connaît maintenant. Dormez sur vos enfants. Dormez. Tu vas prier, faire le lavage sur ton enfant. Ça. Quelqu'un va quitter en baigner, que je vais adopter ton enfant. Donne-moi l'enfant là seulement. Prends l'enfant, fais ses papiers. Pam, l'enfant arrive en Europe avec la nationalité. Tous les souffrances, c'est fini. Peut-être vous pensez que c'est le hasard, ce n'est pas le hasard. Toutes ces femmes-là, partez voir, je suis sûr que les femmes-là ne dorment pas sur les enfants. Le diable est là de Imbiku, il cherche. Quand on voit ta fille est belle, elle est brune, elle est ceci, eh non. Si un homme voit la fille, c'est comme ça, il la prend, non, c'est pas bien. Si elle arrive en le froid la touche comme ça, elle va devenir encore belle. Les gens ont les fausses jalousies, hein. Et je n'ai pas mes choses, c'est à chaque jour, vous me regardez comme la télé. Tu es là comme ça, tu as 25 ans, tu as souffert depuis que tu as eu le bac, depuis 16 ans et demi que tu as eu le bac. Tu souffres, tu ne vois pas clair. Parce que ta mère dormait. Je mets mon lavage à 30 000, vous croyez que c'est beaucoup? C'est rien. Quand ton enfant paye 1 année, 2 années, parfois tu as même l'argent, tu pars, tu payes. Le réseau là prend l'argent, ça part avec. Après tu vois ton enfant encore là, tu dis ouais, supporte encore. L'enfant reste encore à la maison. On vient pas encore perdre le temps, ouais, que là-bas, reste là-bas 1 an.
C'est que le diplôme que l'enfant a été fait là-bas, ça va l'aider en rien du tout. Vous-même, vous deux, vous connaissez. Beaucoup de personnes sont retrouvées sans. Tu arrives en Europe à 30 ans avant de recommencer l'école. C'est à 35 ans que tu as le diplôme, que tu commences à travailler. Imagine si tes parents étaient vaillants. C'est qu'à 24 ans, tu es là, chez le blanc ou à 23 ans, l'enfant a sa voiture. Au Cameroun, c'est à quel âge que l'enfant a la voiture? Je suis voisine, elle a travaillé, elle a travaillé. Elle a été mariée. Elle a pas aussi pas. Oui, toi je suis là, tu dormais, non? Elle avait des carrés. Ça, je connais. Tu le connais. Il faut fouetter souvent ta mère, c'est. Ah oui, comme il fouet. Oui. Ne sois pas bête comme ta mère. Elle dit que la mère de carré, elle avait fait carré, c'est marié une fois. Tata, oui, oui, elle a accouché une fois. Tata, oui. Quelqu'un vient dire que j'ai un prétendant. En vous rendant compte, toquez la porte. Apprenez que la dot, c'est tel jour. Apprenez que. Ouais. Laissez, vous croyez qu'elle a la chance, car elle a la chance jusqu'à. Jamais, il n'y a pas la chance sur ça. Il n'y a pas la chance sur ça. Tout ici dehors. On ne dit pas, moi je vous dis, quand je vous dis, vous me regardez comme la télé, non? Voilà les gens qui me regardent sur Facebook, vous allez me regarder comme la télé, non? Est-ce que vous allez faire? Tu laisses, tu as 4 enfants, tu vous dormez à la maison, vous dormez quoi? Et les belles filles, hein? Pas les belles filles. Ah, ma part. La parasite faciale, la bouche est ici. Ouais. Dormez sur vos enfants. Dormez, ouais. Dormez, vous allez confirmer le code. Vous allez confirmer. En te rendant compte comme ça, là, que tu dis que tu veux essayer de. Ça a 35 ans que l'enfant commence à acheter sa première voiture. Qu'elle essaye, qu'elle tente. Ici, le parent, tu as peut-être à 28 ans que le parent peut commencer à dire que, ouais, donne-moi même un peu 50 000 à l'enfant. Pourquoi? En Europe, allez voir en Europe, non. L'enfant a 22 ans qu'il est à lui, il a fini l'université jusqu'à en train de travailler, il a sa voiture. Ici, là, la mère donne encore l'argent de baigner le matin. Je parle parce que beaucoup de personnes, vous avez les enfants, vous avez les enfants. Même vos neveux, ne blaguez pas. Le dehors, ce n'est pas bon. Parfois, ton enfant arrive en Europe comme ça, elle souffre pour les papiers. L'enfant souffre pour les papiers. Parce que la mère au pays, elle te dormi. Tu dors. Même quand l'enfant arrive en Europe, tu ne t'arrêtes pas. Pas au village, tu fais son travail. Tu vas voir, il va faire 6 mois comme ça, là. Pas un papier, une fois. Après, pas un boulot. La mission, là, l'école, bourse. Et pour la bourse, on lui paye encore l'argent. Moi, j'ai souffert des choses comme ça. J'ai souffert de ça. Souffert. Ma mère est morte quand elle a 19 ans. Tu vois l'âge où on doit commencer à te dire que, oh, pas comme ça là. 19 ans, bien même bien là. Je cherche, je me suis rendu compte que tante, oncle, chacun cherche ses intérêts. C'est la triste réalité. C'est ça la vie. Et si un de tes parents est encore vivant et qu'on te prend, c'est parce qu'on sait que le parent l'avait envoyé l'argent. Donc tu deviens le pointage de la personne qui te prend chez lui. Quand il vous parle de lavage, c'est laver vos enfants. Je suis pas en train de. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je suis en train de parler. Parce qu'il y a des gens qui savent que si ton enfant a l'argent aujourd'hui, tu vois, il va t'acheter la voiture. Et on avait dit que tu vas mourir piéton. Ton enfant a l'argent aujourd'hui, il va t'acheter le terrain. Il va faire tes papiers, tu vas partir en bain. Alors qu'on avait dit que tu ne veux pas entrer dans l'avion. On sait que si ton enfant arrive en bain comme ça, la papa, il a la nationalité, il va commencer à faire les papiers de sa mère. Que la mère monte. Non, tu arrives en bain. Pourquoi? Non, il ne faut pas. Pardon, je vous en prie. Ne me regardez pas seulement comme la télé. Je parle pas ici parce qu'il n'y a rien à faire. Je suis en train de vous dire les choses qui vont vous aider. Pour celui qui va entendre, bien sûr. Et ils vous checkent. Les gens là vous checkent. Parfois, ce sont même vos voisines là. On te dit que la mère de Karel, la mère de ceci. Tu as ton ami avec laquelle tu fonctionnes comme ça là. Quand elle parle chez ces gens, on dit les chances que tes enfants ont. On lui dit que les enfants de la fils, là, ils ont ça. Comme toi, tu ne connais rien du tout. Certains viennent prendre les chances de vos enfants. Bien même. Vous envoyez vos enfants en vacances chez eux, non? Vous savez que là-bas, la nuit, qu'est-ce qui se passe? Lavez vos enfants. Lancez la poule de vos enfants. Faites des sacrifices pour vos enfants. Vous êtes capable de sortir 3 millions pour faire le papier de l'enfant, le papier. Faire le passeport, faire les ceci pour qu'il parte en bain. Mais tu n'as même pas sorti 50 000 pour aller faire un travail au village sur l'enfant.
Et tout comme ça m'énerve, ça m'énerve. Pour toi, écrit ce que tu désires, non? Elle me dit, c'est que la carte d'identité de l'enfant est bloquée depuis 3 ans. Même après 6 mois déjà, ta tête devait tourner que il faut que tu vois voir ce qui se passe sur le passeport de l'enfant, si, sur sa carte d'identité. Que ça, ce n'est pas normal. Depuis que l'enfant a 5 ans, on connaît déjà ce qu'il y en est. On connaît. Que si elle arrive, elle sera une grande avocate. Elle sera une grande juge. Et il ne faut pas. Toi, tu es la mère, tu es la maman. Ah, c'est seulement ma petite-fille, là, non. Elle a les grandes ambitions. Quand elle avance, elle a les grandes ambitions. Et les gens peuvent voir. Écoutez-moi, je ne fais pas les vidéos parce que je n'ai rien à faire. Je fais les vidéos pour que quand vous écoutez, partez faire. Levez-vous, vous partez faire. Même si tu m'écoutes, ta mère est déjà morte depuis. Tu n'as personne. Tu as 22 ans. Lève-toi, tu commences à faire ton lavage au sel. Commence à faire quelque chose qui va t'aider. Apprends à prier. Je vous ai montré les qualités de prier ici. Là, les psaumes. Si quelqu'un me dit qu'il ne connaît pas prier avec un psaume, même toi là, tu dois regarder mes vidéos. Parce que tu n'as pas de combat que tu dois mener. Ce n'est pas la blague. La fête, ce n'est pas la blague. Sinon, tu vas te retrouver en bing comme ça, tu vas confirmer. Tu arrives, tout est bloqué. Toutes tes choses sont bloquées. Pas déposer les applications. Pour les autres, passe. Pour toi, ne passe pas. Bon. Je pense qu'on a déjà fini, non? Tu as écrit tous tes désirs, non? Tu as écrit pour chacun de tes enfants. N'ayez pas peur quand vous demandez à Dieu. N'ayez pas peur de demander que mon enfant devienne ministre. Que mon enfant soit milliardaire. Oui. Milliardaire. Ce n'est pas impossible. Voilà, on va aller faire le lavage. Vous allez les chaussures, vous allez partir dans la case là-bas. On a les oui, là-bas dedans, vous allez enlever les vêtements. Allez-y. Inès. Quelle arrive? Non, si c'est pour elle. Ils t'ont bloqué. Ça va, tu vas laisser. Pour toi, tu ne vas pas faire. Donc allez vous deux là-bas dedans là. Comment? Tu vas faire après, non? Ça veut dire que les gens là te calculent vraiment. Parce que ça devait commencer depuis. Ça ne sentait pas. Ça fait 4 minutes que je peux te la mets pas. Let me see you. Bouka. Let me. On va commencer une session. Quand ça commence à sortir? Tu ne connais pas la destinée de ta fille, là. Tu ne